Les enfants bénéficiaires de cette aide de la part de la Fondation Mugiraneza, présidée par la première dame Angelina Ndayishimiye, sont actuellement logés par la Fondation islamique de la charité située dans le quartier Kiange, zone Uterere de la commune urbaine de Ntahangwa. Désiré Furusa, assistant de la présidente de la Fondation Mugiraneza, fait savoir que ce geste s'inscrit dans le cadre de soutenir les orphelins ainsi que d'autres catégories de personnes vulnérables, comme cela figure parmi les missions de la Fondation Mugiraneza. Selon lui, la première dame a un message unique envers la population, l'amour du prochain, le partage surtout en faveur des personnes démunies. Nous sommes porteurs d'un message. La première dame de notre pays. Elle nous a envoyé avec un message d'abord de bons souhaits pour la célébration de cette fête de fin de jeûne de Ramadan pour les musulmans. Le centre foyer islamique de la charité est en train de faire une action louable à l'endroit de ces enfants de foi musulmane. Ils sont des orphelins qui sont vulnérables. Et comme vous le savez, notre fondation Bonne Action Mugiraneza, dans ses objectifs principaux, et nous avons l'assistance aux personnes vulnérables. L'autre message, c'est un message d'encouragement à l'endroit de ces responsables du centre. Ils font une action louable. Ils ont besoin d'être encouragés. Et Son Excellence, la première dame fondatrice et présidente de la Fondation Bonne Action Mugiraneza, voudrait interpeller tout le monde qui le peut, à pouvoir aider et soutenir ces centres parce qu'ils font une action louable, une action d'aide aux vulnérables. C'est ça en fait l'objectif de notre visite. Contenu de notre paquet, de leur avoir amené des matériels scolaires, sacs à dos, il y a aussi des vivres, du riz, des haricots, des savons et autres choses dont ils auront besoin. Pour Shadi Al-Evokate, responsable de la Fondation Foyer Islamique de la Charité, elle salue cette bonne initiative de la première dame Angelina Ndayishimiye à travers sa fondation Mugiraneza. Toutefois, d'autres défis persistent toujours, comme le manque du courant électrique, le manque de moyens et autres. Elle demande l'appui de tout bienfaiteur. Sentiment de joie, de satisfaction de les accueillir ici au foyer islamique de la charité. Ce sont des cas très rares où les grandes personnalités pensent aux orphelins. C'est vraiment des cas très très rares chez nous. C'est vraiment très content chez nous, c'est la joie. C'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes contents de les accueillir. Et un message à la première dame, on demande à Dieu beaucoup de bénédictions pour elle, qu'elle garde cet esprit de penser aux orphelins, de les aider, d'appuyer les gens qui aident les orphelins. Nous rencontrons, nous traversons beaucoup de problèmes. Nous avons besoin des gens qui soient à nos côtés pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous appuyer également. C'est vraiment un cas à encourager et à remercier beaucoup. Le foyer Soel a pas mal de problèmes parce que c'est un grand centre, on devrait avoir de l'électricité, mais on n'a pas d'électricité. Si on pense à enseigner les orphelins, les métiers, si on pense à être à jour avec le système informatique actuelle, nous n'avons pas d'électricité, nous sommes bloqués quelque part. Et nous avons un grand problème de déplacement. Vous voyez, nous sommes un peu éloignés de la ville, de la capitale. Et si une fois un enfant tombe malade la nuit, c'est un problème. On ne va pas trouver un taxi ou un moto ou un bagage pour le transporter à l'hôpital. Nous avons un grand problème de déplacement. Un grand problème de déplacement, surtout quand les enfants tombent malades la nuit. Nous avons de jolis bâtiments, on nous a fait de jolis bâtiments, mais nous sommes un peu éloignés de la capitale. Pour nous déplacer, c'est un grand problème. Nous avons besoin d'un moyen de déplacement, surtout pour les cas de maladie. La maison est entourée des champs de riz.
des plantations d'olive. Nous, il y a beaucoup de malaria. Donc les enfants à 99% souffrent de la malaria. Donc la seule maladie qu'on a ici, c'est la malaria. Alors on a un grand problème de se déplacer pour rejoindre les centres de santé. La Fondation Foyer Islamique de la Charité passe plus de 15 ans au service de la nation et compte 58 enfants orphelins, dont 54 internes et 4 d'autres externes.